T'es au courant? Ils ont fait chacun un gosse là. Alors De Niro, je crois que c'est le 8e et Al Pacino le 3e ou l'inverse. Mais c'est comme les Beatles, ils ressortent un single avec John Lennon, les Stones ressortent un album. Tu sais, t'as des rivalités comme ça qui durent depuis 60 ans. Beatles, Stones, Al Pacino, De Niro, c'est un truc de fou. Bon, il s'est fait quitter dans la foulée, hein, Al Pacino. Elle avait 27 ans. Faire un gosse avec une nana de 27 ans. Et en plus, la nana, elle est blindée. Donc, c'est même pas pour l'argent. C'est juste pour la gloire. Et moi, à sa place, je prends. Hein. T'as 83 piges, t'as une nana de 27 ans. Tu te dis, waouh, je veux faire un gosse avec toi. Be my guest. En fait, on n'a pas pris ça au sérieux parce qu'on était déjà en tournage sur d'autres décors les jours qui précédaient. Et quand on est arrivé, il faisait moins 14, on a eu 40 cm de neige en une nuit. Ah, et ça, c'est de la goutte froide, ça. Et oh, la vache. Impossible de faire des raccords, on a dû réécrire pendant la nuit tout le découpage pour tourner en chronologie, pour incorporer la neige à notre décor, enfin à notre histoire. Et on a tourné en short avec des couvertures à moins 14. Waouh, ça, c'est du rock, ça. Ah mais c'était impeccable. Wow, bravo. Reine du créneau. Tu vois Patrice? Ouais ouais. C'est super. Vraiment super. Tu sais, j'oublie pas que c'est toi qui me l'as présenté. Monsieur Dubois, le grand metteur en scène. Et c'est quoi comme projet? Apparemment, c'est pour une grosse plateforme de streaming, il m'a pas précisé laquelle. Bah, tu peux lui dire de m'appeler s'il a un moment. Mmh. Ok, mais je croyais que t'étais booké là, avec ta pièce. Bah ouais, mais enfin, un gros projet avec Patrice Dubois... Non, j'aimerais quand même savoir de quoi il s'agit, j'ai déjà travaillé avec lui, moi. Dis-moi, t'es quand même contente pour moi? Ouais, je suis contente pour toi. Bon. Bon, on se voit tout Marie, à l'heure. Je te sens pas sincère, là. Allez, c'est bon. T'es contente? Allez. Bon, ok. Bah oui, on peut se voir. Moi, je vais voir la frangine. Bon, je pense pas que ça va durer. Je vais la voir près de son agence. Et après, je pense que je vais passer à la pizzeria. Tu veux m'y rejoindre? Ok, super. Tu fais quoi, maintenant? J'ai un cours de yoga et puis après un casting pour une pub, mais c'est pas très loin. Ok, on se voit à la pizzeria. Ok, et puis, bah, merde pour le casting. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Ah, à chaque fois, elle me piège une fois sur deux, cette ceinture. T'es fort en ceinture. Hein. C'est toi qui veux me garder. Ouais, 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 je te connais, mais demande-moi-le, ça sera plus simple. À tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Ah, salut. Salut. C'est toi le nouveau? Bah ouais, c'est moi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est pas mal, c'est plus petit que j'aurais cru, mais ça me convient bien. Ah, tu m'as l'air assez jeune, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ok. Bon, écoute, j'imagine que Polo, il fait bien les choses, hein, donc... Ça devrait faire. Top. Bon, attention, il y a du niveau, hein, les clients sont exigeants, mais bienveillants, donc... Faut que tu sois au moins à ce que je faisais avant au niveau pizza, hein. J'essaierai de faire attention. Ça marche. Mon salaud de Polo. Alors, c'était bon? Tu vas regretter mes pizzas? Tu vas regretter plus mes pizzas ou mes blagues? Comment il faut se débrouiller de nouveau? Hein. Ouais. Alors, tu vas regretter plus mes pizzas ou mes blagues? Je pense plus tes blagues. Ah bon? Pourtant, tu me disais toujours qu'elles étaient pourries, il faudrait savoir. Quoi. C'était spontané en plus, donc ça fait plaisir. Ouais, je te charrie. Tu vas me manquer. Toi aussi, bon. Tu vas nous manquer. Ouais, c'est gentil. Et ben, bonne chance à toi. Bon. Temps, hein. Tu m'as pas lâché non plus, hein, toi. Hein. Mais t'étais quand même mieux que le patron d'avant. J'avoue. Ah, ça, c'est sûr. Bah ouais. Allez, bon boulot. Moi, je peux pas accepter la stratégie du downsizing. Tu comprends, tu connais? Ouais, et en français, ça donne quoi? Ben, ça donne qu'on licencie, on licencie. D'accord? On enlève le surplus. Okay. Moi, je peux pas. Éthiquement, c'est pas possible. Ouais. De toute manière, il faut bosser. Il faut bosser. Il n'y a que ça. Pardon.
qu'il y ait du malentendre, là, non ? T'as très bien entendu, j'ai démissionné. Rupture conventionnelle, j'espère. Non, madame la DRH, même pas. Même pas. Mais t'es malade. Écoute, je tourne avec Patrice Dubois, le grand metteur en scène. D'accord ? Alors, ta rupture à la con, là, tu sais ce que j'en fais. Ben moi, je vais aller voir ton patron. Parce que tu peux pas faire une chose pareille. Non, ça, je te l'interdis. Arrête de me materner. J'ai pris ma décision, je ne changerai pas d'avis. Point barre. Mais t'es complètement inconscient. Si tu le dis. C'est cette actrice, là. T'as mis ça dans la tête. C'est elle, hein? Pas du tout. Ouais, elle t'a fait miroiter des choses. Je sais pas, moi, Hollywood, tapis rouge. Tu veux que je te dise la meilleure? Elle est carrément jalouse de moi. Parce que tourner avec ce metteur en scène, elle en rêverait aussi. Eh ouais. Ben moi, j'ai les pieds sur terre, tu vois. Moi, le saut dans le vide. Moi, je vais aller voir ton patron. Je vais t'empêcher de faire la connerie de ta vie. Tu sais ce qui serait une connerie? Ce serait de pas aller au bout de mes rêves. Ça fait 17 ans que je fais le même job, j'ai fait le tour. Donc maintenant, je veux me réaliser. Et je fais le grand saut dans le vide. Dans le monde des comédiens, le monde du spectacle, j'en ai envie depuis toujours. J'ai pris ma décision, je veux pas être un vieux con plein de regrets. Donc je vais au bout de mes rêves. Je changerai pas d'avis, ça sert à rien. Jean-Luc est là ? Jean-Luc, Le pizzaiolo ? Ah non, il est parti, il devrait arriver tout à l'heure. Je vais l'attendre là. Pas de soucis. Et depuis, bah, il vagabonde, hein, l'équipe, c'est des petits trucs en préfabriqué. Il y était une ou deux fois. Ouais. Aussi. Ouais, mais j'en, j'en garde un bon souvenir. Et le... Putain, ça y est, un fan, un moustique fan. Toi, je veux dire, j'ai des fans jusque dans les moustiques. C'est assez incroyable. Bonjour, Jean-Luc est là. Je suis tout seul ici. Ah bon, le patron. Là, le patron, parce qu'il faut que je le voie. Je suis vraiment tout seul ici, à vrai dire. D'accord, c'est tout seul. Bon ben, je vais attendre. Hein. Vous connaissez Jean-Luc ? Bah oui. Vous aussi ? Ah oui, je suis mariée, sa compagne. Ah oui, enchantée. Moi, c'est Antoinette, sa grande sœur. Ben, ravie ? On l'attend ensemble ? Bah oui, je veux bien. Il m'a parlé de vous, hein. C'est vous la comédienne. Je crois que je vous ai vu à la télé. C'est possible. En plus, j'étais impressionné par son parcours. Avocate, comédienne, quoi, les deux. Jolie, pas machin, mais plus que jolie, charmante, intelligente. Bon, elle avait déjà une belle enveloppe. Mais pourquoi ça le fait rire, je comprends même pas. Parce que c'est ta manière de parler. Oui, elle avait. Bah oui, l'extérieur était charmant. Et en plus, je discute avec, je dis, waouh, elle fait comédienne, elle fait des études d'avocat en même temps. Donc, parce qu'après, moi, smart is sexy, je trouve que c'est vraiment... Parce que ta ligne les qualités comme une liste de courses, si tu veux. Non, mais... Et c'est ça qui me fait rire. Mais non. C'est tellement loin de l'amour en soi, la liste de qualité. Mais c'était pas... Elle a non, ci, mais c'est pas, ça, mais c'est pas comme ça que je suis en train de te dire. Non, en fait, tu ferais bien de faire journaliste que tu déformes la réalité. Tous les journalistes déforment la réalité, comme ça, bah ouais, pour que ça cale dans la ligne éditoriale de leur journal. Ah, mais moi, je ne savais pas qu'il avait démissionné. Ah, vous ne savez pas. Bah, il a démissionné. Et je pense qu'au moins, pendant un certain temps, il aurait pu essayer de continuer les deux. Ouais, mais c'est un métier de sacrifice. Non, parfois, on prend des risques mesurés. Oui, mais s'il a la passion, le feu sacré, moi je peux pas l'empêcher. Hein. Attendez, on ne fait pas toujours dans la vie ce qui,
qui nous plaît, hein. On a parfois des contraintes. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Bah moi, je suis DRH. Bah, c'est bien aussi. Ouais. Dans quel domaine? Bah, je travaille dans une grosse entreprise, on vend des armes. Enfin, j'aurais pu vendre des téléphones, des culs. Mais c'est sûr que c'est très 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 différent d'un métier artistique. Ah, hein. Oui, oui. Mais là, il est avec les bonnes personnes, je vous assure. C'est vraiment une chance pour lui. S'il ne le fait pas maintenant, il le regrettera toute sa vie, on ne peut pas l'empêcher. Je ne suis pas une machine, moi. Je m'occupe des relations humaines, hein, des ressources humaines. Je suis sensible au fait que nous sommes des êtres en quête de réalisation de nous-mêmes. Ça, je peux l'entendre, mais cette voie-là, je ne sens pas, quoi. Pour l'instant, mais s'il ne se lance pas pour Patrice Dubois, il ne se lancera jamais. Il faut qu'on le soutienne maintenant. D'accord. Bah, écoutez, je suis contente. Je suis contente de vous l'avoir rencontré. Moi aussi. Vous êtes sympathique finalement. Et au fait, j'y pensais. Vous voyez me signer un autographe? Bah, évidemment, si ça vous fait plaisir. Ah, tout de suite. Moi, je ne suis pas un DRH. Si je te donne rendez-vous ici, c'est parce que j'ai des choses à te dire importantes. Et la première, c'est que ce projet est repoussé. Déjà, ça me contrarie. Ça me contrarie pour moi, mais ça me contrarie pour toi aussi. Je l'apprécie, mais ok, ouais. Écoute, j'encaisse, hein. Cette confiance, elle reste entre nous. Ça n'a rien changé. Merci. Mais ce projet, il est repoussé. Et ses producteurs... Repoussé, c'est pas annulé. Non, bien sûr que non, c'est repoussé. Ton talent ne fait aucun doute. Plus des émotions que tu peux exprimer. Regarde, là, tu vois, quand tu es là, tu es fermé. Ouais, parce que, encore une fois, t'as beau dire que t'as pas encaissé, c'est dur. Mais c'est ça, je veux te voir encaisser, encaisse. T'as peur que tu nages dans l'illusion? Non, 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 mais après, c'est bon, le culte de l'artiste qui en chie, on peut essayer de, voilà, d'avoir un truc un peu où tu gagnes un peu ta croûte et que de temps en temps... Putain, mais franchement, il est super ce projet, j'ai envie de le réaliser. Tu as raison, c'est un super projet. Allez, bon. Tiens bon. Allez, merci quand même, Patrice, pour ta sincérité. Je t'apprécie aussi pour ça. Ciao, Jean-Luc. Salut, Patrice. Je compte sur toi. Ouais, mais moi aussi, hein.